belle, ça j'ai pas peur de le dire. La vie est belle parce que elle est pleine de sources à chercher, pleine de sources à découvrir. Jean-Christophe Parizeau, j'ai 45 ans, je suis diacre de l'Église catholique, je suis marié, j'ai 4 enfants et je suis préfet de la République. Je suis porteur d'une maladie qu'on appelle la myopathie. J'ai perdu l'usage de mes jambes vers l'âge de 10 ans. J'ai perdu l'usage de mes bras vers l'âge de 20 ans. J'ai perdu l'usage de mes mains vers l'âge de 30 ans. Et j'ai perdu l'usage de mes poumons à l'âge de 40 ans. Vous voyez, c'est une série d'appauvrissements, de pauvreté et de recherche finalement de la simplicité. Ce qui me fait vivre, eh bien, c'est entre autres la certitude d'être aimé et que chacun d'entre nous, à la place où on est, dans ce qu'on a appelé à vivre, eh bien, il y a un chemin qui s'ouvre. Et c'est ça qui donne la grandeur de l'homme et l'envie de vivre. La certitude d'être aimé, c'est d'abord la conviction que Dieu aime chacun de ses enfants, quel qu'il soit, et que nous avons tous un appel à vivre quelque chose, même si on n'a pas choisi, même si parfois c'est infernal, difficile, incroyable, surprenant. Et c'est qu'au-delà de ces événements, il se passe quelque chose et qu'un regard est posé sur nous. On n'est jamais seul. Et à aucun moment de ma vie, je n'ai douté que j'étais seul. On est tous des êtres fragiles, même si on ne veut pas se l'avouer. Et cette fragilité, quelque part, elle doit être habitée par Dieu. Et tout le défi est là, du chrétien. C'est est-ce qu'on accepte que Dieu vienne habiter cette fragilité, ou alors on cherche à être un surhomme avec des remèdes à tout, des solutions à tout. Je crois que la grande question de notre civilisation, c'est l'être ou le faire. Qu'est-ce qui est plus important, de créer sa chapelle intérieure et de prier la nuit dans le silence, ou au contraire d'avoir un agenda bien rempli? Alors j'ai un de mes amis qui était grabataire qui me disait toujours plus je vis, plus je suis heureux, mais je suis entouré de personnes qui sont en apparence des morts vivants, c'est-à-dire qui n'ont plus le sens de ce qui est beau et de ce qui ne l'est pas. Nichols, elle est peut-être en fauteuil roulant, mais elle adore la vie. Ça se voit sur elle qu'elle adore la vie. Alors que nous, on peut se dire, en fauteuil roulant, on sauterait d'un pont, alors qu'elle, non, pas du tout. Quand on vit des épreuves, théoriquement, on devrait être révolté. Et ici, on ne l'est pas, on est apaisé. Et je crois que c'est cette révélation de la paix, ici à Lourdes, qui fait le bonheur des croyants, des pèlerins, de pouvoir se redécouvrir en disant, finalement, l'humanité, elle est belle. On a une plus de simplicité quand on est à Lourdes que quand on est ailleurs. Je crois qu'on est dans un lieu où la simplicité s'impose. À Lourdes, il est vrai qu'il y a une atmosphère qui est différente, notamment de ce qu'on prie chez soi ou de ce qu'on peut prier en paroisse. Lourdes apporte cette certitude que la paix est plus importante que la violence de ce qu'on peut vivre. Et la plupart des gens à qui on parle ici sont des gens qui disent, vous savez, je vis des choses vraiment pas évidentes, mais vraiment, vous êtes important pour moi, priez pour moi, ou alors vous êtes mon frère, vous êtes ma sœur, et quelque part, on est heureux de pouvoir se redécouvrir frère et sœur, alors que dans la vie quotidienne, quand on est chez soi, toute l'année finalement, on a l'impression que notre voisin, c'est quelqu'un presque d'étranger, que quelqu'un de notre famille ne nous comprend pas. Alors que quand on est ici, quelle que soit notre origine, on a l'impression d'être compris. C'est ça qui est étonnant. C'est les gens nous disent, ah les jeunes, ils viennent aider. C'est important de venir aider, déjà pour eux et pour nous. Ça nous sent, on se sent utile. C'est grandiose. Même si on est en fauteuil, même si on est malade, même si on est brancardier, même si on est pèlerin d'un jour ou de quelques jours, on a l'impression que notre présence ici a un sens. Et je sais que dans ma vie plus tard, si je vois une personne en fauteuil roulant, si je vois qu'elle est en difficulté, je lui demanderai si elle a besoin d'aide. Alors qu'avant, je n'aurais jamais fait ça. Il est certain qu'aujourd'hui, de porter un handicap fait qu'on vous regarde
parfois comme si vous étiez un peu contagieux, c'est-à-dire comme si votre présence générait quelque chose d'étrange. Alors que finalement, les choses doivent être simples et naturelles. Moi, le matin, je suis fatigué. J'arrive à l'hôpital, elle est motivée, elle est dynamique. C'est elle qui me rend cette motivation. Alors ça me donne envie de la rendre heureuse toute la journée. Et ce matin, j'étais dans l'ascenseur à l'infirmerie, et puis il y a une brancardière qui dit à l'autre « C'était dur cette nuit, t'as fait la nuit ?» Et l'autre répond en hochant la tête « Oui ». Et moi, j'avais envie de lui dire « Mais vous savez, nous la nuit, on l'a fait toute l'année, jour et nuit, 365 jours. Et peut-être que ce serait intéressant qu'on nous écoute, nous, pour ce qu'on a à dire et à vivre. Je crois que Dieu se révèle dans le désert et les personnes malades et handicapées, elles vivent le désert. Alors, peut-être que ce serait bien, de temps en temps, qu'on les écoute pour savoir qu'est-ce qu'elles ont à dire de Dieu. C'est facile de croire quand tout va bien, quand on est en pleine forme, quand on a des amis, quand on est entouré, quand on a de l'argent, qu'on est... C'est très facile. J'allais même dire le mot fastoche. Mais allez croire en un Dieu d'amour quand vous êtes tétraplégique, sur un lit immobile, avec une famille souffrante, démunie. C'est là que se posent les vraies questions de la foi. Oui, Seigneur, toi qui es un Dieu d'amour, pourquoi permets-tu cela? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Et c'est là qu'on est dans le dialogue avec Dieu. Et c'est là que la foi se vit au quotidien. Et je pense qu'en effet, quelqu'un qui, comme moi, vit ce genre d'épreuve, peut parler de la foi. Et c'est important, je pense, de la présence des malades à Lourdes. Et peut-être de l'appel que je voudrais lancer, c'est qu'on écoute un peu plus les malades et qu'il y ait un peu moins d'enseignants valides. Et que peut-être un jour, c'est mon rêve, les enseignants soient les personnes malades. C'est pas le bien portant tout puissant dans sa forme, dans sa santé qui doit enseigner l'autre. C'est absurde. Et au contraire, je crois que c'est l'inverse qui va enrichir nos relations humaines et qui va enrichir la vie de l'Église. C'est pour ça que ce matin, j'ai souhaité, et les frères dominicains ont accepté, que lors de mon homélie, cet après-midi, les servantes à autel soient trisomiques. Et les frères dominicains ont accepté. Et pour moi, c'est l'immense cadeau qu'ils m'ont fait. Autre chose, c'est que la personne qui vient accorder quelques heures, quelques jours à Lourdes aux personnes qui sont malades, il ne faut pas oublier une chose, c'est que si pour le brancardier, c'est un temps fort pour lui, quand il rentre chez lui, il n'est plus brancardier. Alors que la personne malade, quand elle revient chez elle, elle est toujours malade. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors peut-être prolonger le pèlerinage par un petit coup de fil, un petit geste, une carte Noël, une carte postale, une visite. Que sais-je, il y a beaucoup de choses à inventer, mais il faudrait que le pèlerinage ne soit pas cassé par la séparation. Il y a une chose que je voudrais dire aux malades qui vont lire ou écouter ce DVD, c'est n'ayez pas peur de créer en vous une chapelle intérieure. Vous avez la capacité de créer en vous, le soir par exemple, avant de vous endormir, vous créez en vous une chapelle. Vous décidez de rejoindre Dieu dans cette chapelle. Alors vous imaginez le soir que vous créez une petite église dans laquelle vous allez vous agenouiller. Alors même si vous êtes immobile, même si vous êtes allongé, vous imaginez que vous allez vous agenouiller dans cette chapelle et que vous allez prier Dieu. Et je crois que ce plus beau cadeau vous donnera une sérénité extraordinaire. Vous endormirez dans la chapelle et au matin, quand vous réveillerez, la journée sera plus belle, vous verrez. Très clair sur le rôle du chrétien sur terre. On est capable, et ça c'est ma certitude, de vivre le ciel sur la terre. C'est-à-dire que le ciel, c'est la vie éternelle, c'est des relations réconciliées entre les hommes et avec Dieu. Et je pense que nous, chrétiens, on peut vivre la Jérusalem du ciel sur terre. Et donc, on est comme acteur, conduit sur terre, comme chrétien, à préparer la Jérusalem du ciel en la vivant déjà sur terre. Parce que le Christ est déjà ressuscité. Et donc, à ce titre-là, un chrétien doit s'engager dans la vie de la cité. C'est une obligation pour lui.
il ne peut pas rester isolé, sans les autres, vivre sa foi tout seul, c'est impossible. Vivre sa foi seul, c'est impossible. Et donc, il faut que les personnes, même handicapées, acceptent de jouer un rôle dans cette société. Il faut que chacun ait un engagement, même caché, peut-être, mais en tout cas jouer un rôle. On ne peut pas ne pas construire un monde meilleur, on ne peut pas construire un monde nouveau si on n'est pas soi-même désireux de vivre ce monde nouveau. Et je crois que c'est ça la résurrection, c'est qu'on est déjà des ressuscités et qu'on doit construire une cité qui soit viable et acceptable par tous. Et c'est pour ça que j'ai choisi par mon métier, puisque je suis un haut fonctionnaire, de pouvoir participer à la vie de la cité en développant les talents, les compétences, pas de soi-même seulement, mais aussi développer les compétences des autres. Ça, c'est très important.